J'espère bien sûr que vous allez bien. Nous sommes en train de jouer à Hogwarts Legacy. Donc si vous vous dites qu'est-ce que je vais faire durant ma soirée, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, bien sûr, le lien est en description. On avance quand même bien le jeu, même si on est extrêmement nul et Poufsouffle. Quoi qu'il en soit, là nous allons réagir au trailer de Fast and Furious 10, qui est le trailer qui dure. Enfin, c'est un des trailers qui dure le plus longtemps que j'ai jamais vu. Alors, ce n'est pas français, ce que je viens de dire. Mais t'as compris un petit peu l'essence de mon propos. Le trailer, il fait 3 minutes 45. C'est énorme pour un trailer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les petits écouteurs. Ça va être extrêmement intéressant. On claque des doigts, ça apparaît comme par magie. On va juste un petit peu l'agrandir parce que c'est plus sympa pour vous si vous avez une meilleure visibilité. Par rapport à ce petit trailer, on va l'agrandir comme ça. Voilà, transition, c'est parfait. On va se décaler un tout petit peu. On va peut-être un petit peu le réduire d'ailleurs. Un tout petit peu, voilà, comme ça. Voilà, parfait. Est-ce que vous êtes chaud? Je suis chaud. C'est parti. Sachant qu'il y a Brie Larson. Ça n'a aucun sens qu'il soit là, celui-là. Enfin, mais bref. Mec, il a explosé. La nouvelle génération. Sa voix, elle est quand même très charismatique. Hein. Oh! Oh, si en plus lui c'était le meilleur, c'était quand ils étaient au Brésil. C'était le meilleur, cette scène-là, c'est la plus incroyable pour moi de tous les. J'avais pas capté que c'était. Oh. Ils sont à Rome. Oh, la musique, elle est incroyable, frère. Le fait que tu vois des trucs comme ça explosifs mais qu'il n'y ait pas de batterie ou de gros beats et tout là. Hélène Mirren, non? Oh là là, ça fait tellement comme The Rock et Vin Diesel dans le. Dans le 5? John Cena, en vrai, il. Même lui, enfin. Oh, je savais pas qu'il était de retour, lui! Oh, Jazz, oh, le casting de fou, frère! Brie Larson, bien sûr. Ça, j'adore quand ça coupe là! Mais qu'est-ce qu'il a avec sa famille? C'est pas possible! J'ai des putains de frissons. Pourtant, c'est. Tu voulais me dire, c'est que Fast and Furious. Mais frère, le trailer, il est tellement épique, il est incroyable. Oh là! Oh, je me sens toute chose. Eh, mais il est trop bien. Le trailer est incroyable. J'ai l'impression que
tout le monde meurt dans ce film, mais tout le monde revient. Tu verras, Gal Gadot, elle sera dans 11, on sait pas. Non, frère, c'est... Oh, je kiffe. Ah, j'ai kiffé. Non, en premier degré, le trailer, il est archi bien. Je sais pas comment vous avez trouvé dans le chat, mais il est génial. La musique et tout, ça fait un peu moins genre... Enfin, il y a toujours ce côté un peu explosif, un peu, entre guillemets, n'importe quoi et tout. Mais il y a ce côté épique. Et ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas mis une grosse musique rap à l'ancienne et tout. Ils ont vraiment pris un truc un petit peu chill avec du piano et tout. Bon, ça reste du rap, etc. Mais c'est génial. Je kiffe. En tout cas, je ne sais pas ce que vous, dans le chat, vous en avez pensé. Bien sûr, on reviendra sur ce trailer-là tous ensemble. Là, je vais publier la vidéo sur YouTube. N'hésitez évidemment pas aux personnes du coup qui regardent cette vidéo sur YouTube à me mettre votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, mais je vais devoir couper très vite la musique, je crois, maintenant. J'ai coupé la musique, mais vous m'entendez toujours. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et bah, let's go sur Twitch, si vous en avez envie, bien sûr. J'ai bugué sur la fin. Coupons!